Comment peindre le sable Bonjour, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture, et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne tous les mercredis. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler euh, du sable, comment peindre le sable, comment faire pour trouver les bonnes couleurs pour peindre le sable lorsqu'on fait de la peinture. Mais juste avant de vous donner les bonnes explications, de vous donner les bons trucs, les bonnes astuces pour peindre le sable, vous pouvez télécharger un Memento couleur entièrement gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo. Et vous allez pouvoir obtenir ce guide en PDF sur la couleur. On est aujourd'hui ici à Tulum, euh, sur la plage de sable blanc au Mexique. Alors pourquoi est-ce que le sable est difficile à peindre Parce que le sable, c'est quand même quelque chose de compliqué. Il euh, y a des, euh, des traces de pas, des petites choses sur le sable qui génèrent des ombres. Il y a du sable sec, il y a du sable mouillé, il y a du sable qui est éclairé différemment par le soleil selon que le soleil est en face de nous ou sur le côté ou derrière. Ah oui, il y a la couleur du sable aussi, puis euh, la couleur du soleil selon l'heure de la journée. Il y a tellement de, de caractéristiques différentes qui fait que c'est difficile à, à réaliser et à peindre. Et pour euh, parvenir donc à nos fins, réaliser euh, du sable sur une toile qu'on reconnaisse vraiment que c'est du sable, parce que souvent ce qui arrive c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître que c'est le sable, eh bien il va falloir... Utiliser euh, des méthodes, des méthodes très simples. Et pour vous expliquer ces méthodes-là, pour vous les montrer euh, concrètement sur ma palette de couleurs, on va continuer cette vidéo, si vous voulez, dans mon atelier. On va se retrouver donc sur la palette de couleurs et on va regarder ça aussi d'après des photos. Donc, euh, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la palette de couleurs à l'atelier. Alors, on est euh, un peu plus au calme maintenant euh, à la maison, donc euh, c'est plus facile aussi pour, euh, pour vous donner des explications que sur la plage. Ça aurait été un petit peu difficile. On y retournera plus tard. Alors, donc, pour faire les couleurs du sable, il suffit d'utiliser euh, trois couleurs primaires, finalement le jaune, le rouge, le bleu et du blanc. Alors, ce n'est pas les couleurs primaires exactes. Ici, c'est du jaune, vous euh, voyez, c'est du jaune euh, azo clair. Ça, c'est la cramoisie d'alizarine, du bleu outre-mer et du blanc. Mais avec ça, ça suffit. Alors, une couleur de sable, on en a vu du sable. Hein on en a vu beaucoup. Je vais vous montrer comment, parce qu'on peut faire une couleur de sable avec du blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Un peu de jaune, un petit peu de rouge, voilà. Alors voilà une couleur de sable. Il est trop jaune, on remet un petit peu de rouge. On va aller très très vite pour l'instant. On va passer après à l'ordinateur. Vous allez comprendre. Voilà. Ça c'est une couleur de sable, une couleur de sable. Bon peut-être dans le soleil, dans la lumière, un sable relativement très blanc. Puis on va rajouter du jaune, du rouge, un tout petit peu de bleu, encore du bleu. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Ça, ça c'est une couleur de sable? Oui, aussi. Pourquoi pas? Une couleur de sable. Alors, à ce moment-là, il va être dans l'ombre, vous voyez. Puis, entre les deux, on peut faire un petit mélange. Et là, on va avoir une autre couleur de sable. À un moment donné, peut-être un sable un petit peu plus mouillé ou un peu plus dans l'ombre. C'est une multitude de couleurs qui sont vraiment possibles et réalisables pour le sable. Mais alors, comment faire pour choisir la bonne couleur du sable? Et tout va être là. Euh, à ce niveau-là on se pose la question voilà encore une couleur de sable ici oui voilà peut-être là une couleur de sable mouillé voyez voilà tout ça tout ce que j'ai fait là ce sont des bonnes couleurs pour le sable on met du blanc encore et puis là on en a une autre une autre forme de sable mouillé il y en a tellement il y en a tellement donc c'est c'est comme impossible de vous montrer comment faire la couleur du sable, tellement qu'il y en a. Mais par contre, je vais vous montrer ça. On va passer à l'écran d'ordinateur. Je vais vous expliquer ça avec euh, des photos. On va prendre des morceaux sur des photos euh, que j'ai réalisées euh, donc à la plage aujourd'hui. Donc voici une photo de, ben, de la plage aujourd'hui. Alors vous voyez le sable, alors on est au soleil. On a une couleur de sable blanc ici, vous voyez, au soleil, sec. On a une couleur de sable mouillé ici. Et on a une couleur de sable ici avec la réflexion du ciel. Vous voyez trois couleurs différentes du très pâle. Alors là, c'est bien sûr du blanc. Alors vous voyez ici, il y a un petit peu plus de jaune. Ça là est un petit peu plus rosé, toujours très pâle, un peu plus de rouge. Et là, on est dans du gris bleu complètement. On va passer à une autre image. Alors ici, c'est sous un nuage. Au même endroit, vraiment. Regardez bien le même endroit. Quelques minutes après, un nuage est passé. Alors, ça a complètement changé les couleurs. Voilà le sable sec sous le nuage, le sable mouillé et le sable avec le reflet du, du ciel. Vous voyez comme il est quand même très bleu. Alors, j'ai été avec la pipette sur Photoshop. J'ai été cliquer ici pour obtenir cette couleur. Donc, vous voyez cette couleur, c'est vraiment la bonne couleur d'ici. celle là, c'est la bonne d'ici. Ici, ici hein, voilà. Il n'y a pas, pas d'erreur possible. Alors, vous voyez, on est rendu dans des, des gris beiges. Alors bien entendu, il y a moins de blanc que précédemment, avec toujours plus de jaune, plus de rouge et plus de bleu. Voilà, ici, moins de jaune et de rouge, plus de bleu, puis ça, ça, ça donne ces couleurs-là, vraiment. On va les, toutes les avoir comme ça. Alors là, on est au soleil, mais en contre-jour, cette fois-ci, le soleil est en face. Vous voyez. Alors on se retrouve avec de, du sable un peu plus foncé, ici au soleil, sec. Le mouillé, il ressemble beaucoup au mouillé de l'autre côté. Et là, j'ai été euh, pipé du sable ici, euh, où il y a des traces de pas, vous voyez, au soleil, mais avec des traces de pas. Alors, dans l'ensemble, il devient très foncé. Si on fait de la peinture, euh, des traces de pas comme ça, au loin, on peut pas les dessiner une par une, les faire, c'est impossible. Donc, on va générer une couleur plus foncée pour représenter un sable qui est un petit peu plus labouré, vous voyez. C'est ça. Alors qu'ici, on a un sable qui est beaucoup plus lisse parce qu'à un moment donné, l'eau est venue dessus, donc ça l'a lissé. Alors, voilà le sable très sec au soleil, alors ça aussi c'est intéressant, regardez bien, comme il est très très blanc dans la lumière, lorsqu'on se retrouve avec un petit peu d'ombre, parce que c'est une trace de pas, il est plus foncé, un petit peu, mais pas beaucoup, pourquoi Parce qu'il y a la réflexion de la lumière, euh, on va dire du sable lumineux, qui réfléchit dans cette ombre, donc ça rééclaire l'ombre, voyez Ici, c'est un sable, c'est le même sable, mais qui est vertical, donc il n'est plus face au soleil, il est dans l'ombre, mais... À la verticale, vous voyez, si j'étais allé chercher ici le sable face au soleil, étant donné qu'il est comme un, un mur, il est plus exposé au ciel, donc il va être un peu plus foncé aussi. Alors ici, si on regarde ici, on a peut-être une centaine de nuances de teintes différentes. Hein. Voilà, mais nous, on va en choisir quelques-unes. Voilà, donc le sable ici, et puis dans l'ombre du poteau, vous voyez, comme ici, il n'y a pas la réflexion du soleil comme dans cette ombre-là. Ça, c'est une ombre, ça, c'est une ombre, deux ombres. Quasiment identique, mais elle est beaucoup plus foncée. Regardez ça ici. Voilà. Et donc justement dans les ombres, lorsqu'on est vraiment dans les ombres, alors on a différentes teintes aussi. Regardez comme il est très foncé ici, il est un peu moins ici, encore un peu moins ici. Ils sont tous ces trois-là bien bleutés, tandis que celui-là ici, il est euh, moins bleuté, un peu plus gris, gris neutre. Hein sans oublier que, par exemple, ici, ça aussi, c'est une ombre par rapport à la lumière, ombre, vous voyez, mais la différence ici est toute petite. J'aurais pu aussi aller chercher cette ombre-là, vous voyez, elle est beaucoup plus beige. Alors, juste ici, on aurait comme un, deux, trois, quatre, cinq, six, au, au moins six teintes différentes d'ombre, vous voyez, puis j'aurais pu venir ici en chercher d'autres aussi, au moins une dizaine. Alors, tout ça pour vous dire que il n'y a pas une couleur de sable, il y en a énormément. Voilà un petit peu la, L'ensemble de tout ce que j'ai été chercher comme couleur de sable, euh, sur ces photos-là. Donc, simplement, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que il n'y a pas vraiment une couleur de sable. Et selon, comme je vous l'ai dit au début, hein, selon euh, l'endroit où il se trouve, est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est mouillé? Est-ce qu'il est au soleil? Est-ce qu'il est à l'ombre? Euh, est-ce que c'est midi? Est-ce que c'est 4 heures de l'après-midi? Vous comprenez Est-ce qu'il a été un petit peu labouré, on a marché dessus ou non C'est ça qui fait toutes ces, euh, ces complexités du sable-là. Je vais revenir à une photo avant. Voilà, ici par exemple. Maintenant, si on devait peindre le sable qui se trouve ici, voyez, le sable qui est très labouré, eh bien, euh, on va devoir, avec des touches de pinceau, des coups de pinceau, faire des taches de cette couleur-là, des taches de celle-là. Essentiellement, c'est deux couleurs pour représenter tout ce qui est là. Mais cette couleur foncée, on peut la faire varier un petit peu plus foncée, un petit peu plus pâle. Il ne faut pas se gêner pour varier les teintes. Même on pourrait aller chercher un peu de cette couleur-là. Parce que si on peint juste avec deux couleurs, on n'aura pas un bon résultat. On peut y aller aussi avec des couleurs comme celle-ci, mais un peu plus pâle à ce moment-là. Vous voyez, juste pour les, et avec des touches de pinceaux différentes, on va réussir à donner cette impression que c'est du sable qui a été un petit peu labouré et marché dessus. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment les artistes peintres ont peint le sable. Ça va nous aider énormément pour le peindre nous aussi. Pourquoi pas comme ils l'ont fait eux Alors ici, on a une photo d'un tableau de Claude Monet à Trouville. Vous voyez comment le sable, il est peint. Alors avec des touches euh, modulées. Vous voyez, euh, il y a énormément de teintes et de couleurs différentes sur cette photo. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, juste ici, on en a un qui est un peu plus foncé, du très pâle, un peu plus pâle. Ici, il est un peu plus beige, un peu plus rosé. Il y a énormément de couleurs là-dedans aussi, je dirais que c'est... On appelle ça une modulation. Et pour peindre en modulation, eh bien, sur la palette, il suffit de nous faire un mélange à peu près comme ceci, voilà. Mais les couleurs qui ont servi pour ce mélange, donc le blanc, le jaune, le rouge, le bleu, on va les garder pas loin, du blanc, du jaune, du rouge, du bleu. Et notre pinceau, de temps en temps, il va aller chercher des fois un petit peu plus de blanc, un petit peu plus de rouge, voyez, un petit peu plus de de rouge et de jaune, avec un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge, de jaune, de bleu pour le foncé etc. etc Et comme ça, tranquillement, on procède à ce qu'on appelle vraiment euh, une peinture impressionniste, expressive aussi, mais surtout on peint en modulation. Voilà une peinture de Marie Cassatt. Vous voyez, son sable à elle, il est beaucoup plus orangé. Encore Claude Monet. Ici, on a un sable à l'ombre, qui se trouve être euh, un peu mauve. Et un peu orangé, vous voyez, il joue avec les mauves et les oranges, des, des couleurs un petit peu complémentaires, bleu, bleu, mauve, orange, rouge, pour donner cette impression de sable dans l'ombre sans qu'il devienne trop gris non plus. Berthe Morisot, un tableau de Berthe Morisot, où là, le sable, il est extrêmement modulé avec bien des touches de couleurs différentes, vous voyez, même des bleus ici pour représenter des reflets ou des ombres, pourquoi pas du reflet du ciel, ça peut être un sable un peu mouillé, comme on a vu sur les photos précédemment, où le sable mouillé reflétait le ciel. Alors ça c'est une euh, toile vraiment c'est vraiment très réaliste. Hein. Ces caméras, euh, on va juste grossir un petit peu. Regardez une, le canon comme il est beau, hein. les, les, les Madame aussi. Alors là le sable est très jaune, très lumineux. Vous voyez les ombres sont très foncées aussi pour faire ressortir l'impression de soleil. Donc plus vous mettrez des ombres foncées plus votre soleil apparaîtra fort. Très pâle. Il fonce légèrement en s'éloignant, comme si on changeait un peu de texture de sable. Nous avons un petit reflet d'eau ici. Et puis là-bas, au fond, il est très foncé, orangé, vraiment comme un sable mouillé de, ba... de marée basse. Hein, ça ressemble vraiment à ça. Ah tiens, ça c'est le mien. Voilà, ça c'est moi qui avais peint ça en Bretagne. Alors là, on a un sable qui est en contre-jour. Un sable qui est très éclairé par la lumière là-bas. Tandis qu'ici, on avait un sable qui était assez... Euh... On va dire labourer aussi, euh, beaucoup de traces de pas, tout ça, puis des algues, énormément des traces d'algues. Alors vous voyez, ça c'est un traitement euh, peint sur le motif, donc expressif. On comprend que c'est du sable parce qu'il y a la mer, il y a l'océan ici, il y a de l'eau, il y a une plage. On peut comprendre que c'est du sable, mais comme on pourrait très bien, si on n'avait pas l'eau là-bas, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est, de la terre, simplement de la terre. Euh, Turner, ici nous avons un tableau de Turner. Vous voyez, alors, c'est certainement de l'aquarelle. Il faisait des aquarelles. Voilà, on a un sable pas mal orangé. Il aurait pu être dans ces couleurs-là, beaucoup plus pâles. Mais non, lui, il a choisi de le garder foncé. Donc, un sable mouillé, bien entendu, puisqu'on voit les reflets. Van Gogh, les bateaux de, à Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors là, on a différentes... C'est sûr que sur Internet, on va trouver différentes photos du même tableau, des plus foncés, des plus pâles. C'est un petit peu mélangé, mais lui, on sait qu'il peignait par petites touches. Et qu'il exagérait beaucoup les couleurs. Donc voilà, c'est peut-être plus de la terre que du sable. Mais on sait, si, si vous connaissez les Saintes-Maries de la mer, vous allez voir qu'il y a du sable en très grande quantité. Ça n'est pas du tout de la terre, alors qu'on pourrait penser que c'est de la terre. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé ça et que ça va vous aider lorsque vous aussi vous aurez du sable à réaliser sur vos peintures, dans vos tableaux ça sera vraiment plus facile, vos tableaux seront plus beaux et vous prendrez plus de plaisir à peindre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, de la partager. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les placer dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup, bonne vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye!